Salut à tous, c'est Hydray, on va faire le combat contre Torkara semaine 5. J'ai déjà fait le match semaine 6, je ne vous dirai rien, vous verrez ça en temps et en heure. Donc tout de suite, voilà, il dit qu'il a l'attention. Très bien. Je ne voulais pas faire ça, c'est pas grave. Alors, hop. La team, ben, elle n'a pas changé. Hein. Toujours la même. Et je suis prêt. Voilà. En fait, j'enchaîne. J'ai fait le match semaine 6 et là j'enchaîne avec voilà. Donc VS Torkara, c'est bon, c'est la bonne team. Je vais pouvoir commencer. Et je vois qu'il n'a pas pris à la Kazan. C'est une bonne nouvelle. Mais il a pris Karatrok. Il a Trioxine. Je sens bien venir Trioxine Roscar, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais commencer avec Death Angel. Ou avec Jambon. Il a rien qui spin. Lui il a pas miroir magique donc ça va. J'ai envoyé Death Angel pour commencer. Good luck. Alors route cette team, voyons voir. Spé. Là je sais pas, physique. Trioxine respect, je peux envoyer Marie Curie. Eh, vous avez vu comme je suis trop un boss. Draco Météor. C'est passé tellement bien. C'est passé tellement bien. Là j'ai juste envie de faire un petit toxique parce que j'ai rien vu qui bloque. À part lui. Shuckle. Bien. Bien. Là il va pouvoir poser la toile gluante en fait. C'est ça qu'il est en train de me dire. C'est ça qu'il est en train de me dire. Donc tout de suite, qu'est-ce que je fais? Ok, il y a un mec qui rejoint. C'était bizarre. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? C'est qui? Bon je sais pas. Je vais faire Seismic Toss parce que voilà. Hashtag Bretonix. Casse-toi. T'as rien à faire là. Tu te spoil. Y'a un mec qui nous regarde quoi. Sérieux. Alors il a mis ses PDR, c'est pas grave. Ah nous c'est Smictos et on n'en parle plus. Ouais voilà, y'a plus le shuckle. Donc, fût de poseur de hasard. Enfin bref, y'a un abonné qui est là, c'est pas grave, on va rien dire. Là je pense que je peux envoyer Jambon, hein. je peux envoyer lui. Je peux envoyer YOLO. Non c'est trop risqué, j'envoie Jambon. Et s'il fait sabotage? S'il fait sabotage, c'est GG, puis c'est tout. Close combat, ok, non, il avait pas fait sabotage, tant mieux alors. Tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux. Et puis là tout de suite je vais faire les stealth rock. Il a rien pour les enlever a priori. Mais il le tic, bien, bien. Ah d'accord, c'est ce set là. Je vois. Et là c'est très serré, on est assez à force égale en fait. Je vois Marie Curie. Ok, il m'a burn. Ça c'est mauvais. Et puis là, est-ce qu'il va switcher? J'imagine. Je vais faire toxique. Non, je vais faire softball. Voilà, sur Spinda qui va faire une surpuissance. Évidemment qu'il va faire surpuissance. Je peux pas envoyer YOLO du coup. Creeper, ouais, il a Kuba ce truc. Donc non. Spinner, tiens. J'envoie Spinner. J'envoie Spinner, normalement ça devrait le faire. Ou Jambon. J'envoie Spinner. Non, je vais envoyer Jambon. J'envoie Jambon. Puis voilà, tout simplement. Rapid Spin. Ah c'est vrai que Spinda apprend Rapid Spin. J'avais totalement oublié ça. C'est pas grave, maintenant je fais U-turn.
parce que j'imagine qu'il va pas rester. Ça, c'était très beau. Ça, c'était vraiment très très beau. J'envoie mon capoeira. Je fais un petit fake out. En fait, petit à petit, les fucking qui n'ont pas accès à des moves de soins, ils commencent à se retrouver dans la merde. Petit à petit. Et là, McFunch, qui voilà. Et puis voilà. Ce sera fini de ce trioxydre. Et ensuite, comment dire, en fait, il n'y a que des Pokémon qui me font chier. Milotic, bien, bien anticipation. Bonne anticipation. Mais, là, le Trioxydre, il est légèrement dans la crotte. J'envoie Marie Curie. Si j'avais Stealth Rock sur Marie Curie, ce serait bien. Repos. D'accord. Il a mis repos sur son Pokémon. Pourquoi pas? Ah, tout de suite, j'ai envie de faire un Seismic Toss, tout simplement. Sleep Talk Crest, ok. Ok. Encore Seismic Toss. Il fait Scald. En fait, il me fait rien. Il me fait rien du tout. Il me fait rien du tout. Et puis là, logiquement, qu'est-ce que je peux faire? Il va se réveiller, je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est original de jouer comme ça, mais du coup, qu'est-ce qu'il a comme dernier move? Je ne sais pas. Mais c'est juste qu'en fait, avec son talent là, Marvel Scale, voilà. Avec son talent, ça le rend vraiment super, super résistant. Bah oui, clairement c'est ça. Et le problème, c'est que je dois venir sur YOLO, mais... Ok, il a switché sur Zangoose, bien. Ok, tu perds un peu de vie. Puis là, il va juste faire une attaque, donc... j'envoie Jambon. Zangoose peut pas se soigner, lui non plus. Ok, il fait knock-off. Ça, c'était violent. Je récupère de la vie, et là, qu'est-ce que je fais? J'hésite à faire un U-turn. Et j'hésite à rester, parce que là il m'a mis très cher avec ça, son attaque, faire Protect de toute façon, parce que ça me permet de récupérer de la vie. Voilà, je savais qu'il allait switcher, mais j'avais vraiment besoin de récupérer de la vie en fait. Je renvoie Marie Curie. C'est un peu le combat de Stall. Il promet d'être long. Dragon Tail ? Ah ouais, pas mal le set. Pas mal. Bah là, bon, après, là, il a deux Pokémon qui sont vraiment low life, deux Pokémon non défensifs. Ensuite, il pourra juste essayer de me stoller, mais il finira très vite par se retrouver dans la crotte. Et là, tout simplement, je peux rien lui faire à lui. Je suis obligé de changer et de renvoyer Marie Curie. Voilà. Donc là, il se réveille et il fait Scald, qui me burn. Super! La Scald burn. Là, je fais Soft Boiled. Sympa, le set de Milotic. Fallait y penser. Là, tout de suite, ben, il a fait repos, tout simplement. Et qu'est-ce que je fais? J'ai rien pour le gérer du terrain. Je peux pas le PP stall comme ça, moi. Alors, en fait, j'aurais plus de PP à un moment. J'aurais plus à un moment. Ok, le score vol qui vient sur le terrain. Là, tout simplement, je fais U-turn parce que normalement, je suis plus rapide. Voilà. Je vais juste renvoyer Marie Curie. Il est genre impassable. Il est trop chiant. Ok, Sleep Talk Crest. Ça, c'est parfait pour moi. Seismic Toss. Il se réveille. Il fait Scald. Ça burn pas, tant mieux. Là, je fais Seismic Toss. Ça le reburn. Je refais Seismic Toss. Ah. Le combat le plus long du monde.
Je sens venir le... Venir le combat de 100 tours. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ah oui, mais là, il va faire repos, là, c'est clair. Voilà, dommage. Voilà. Je sens venir le combat de 100 tours et il dit « Moi aussi ». C'est à cause de ton euphorie aussi, MDR. Va switch ton Milo Bellus. S'il le switch, ça me met bien en fait. En fait, voilà, c'est tout. Ben, Sismictos de nouveau. Meltic, Sliptoe Crest, très bien. Très bien. Et là, en fait, ma seule solution, c'était de switcher maintenant, mais j'aurais jamais mis 50%, en fait. Non, toi, switch ton euphorie. Non! En fait, j'ai rien qui lui fait vraiment assez mal. Et si j'envoie YOLO, il risque de crever. Et c'est ça, le problème. En plus, s'il fait Dragon Tail, voilà, quoi. Ah, là, il aurait fait Dragon Tail, ça aurait envoyé YOLO, j'aurais tué, normalement. J'aurais tué. Enfin, pas grave. Hop, c'est Sismictos. C'est limite du pépé stall en fait. Il a combien? Il en a 8 pour Sleep Talk. Une fois qu'il peut plus faire Sleep Talk, je suis bien en fait. C'est Sismictos, je suis à 20 sur 32. Je suis bien. Il s'épuise vite en fait, c'est Sleep Talk. C'est ça le truc. C'est pour ça que ça a l'avantage. Pas. Voilà, donc il a switché. Là, j'ai qu'à envoyer... Jambon et je peux pas faire séisme en fait. Je peux envoyer YOLO, il risque trop de prendre cher. Donc j'envoie Jambon. Il fait bluff. Bien. Fort bien. Puis là, tout simplement, je vais faire un petit U-turn. Parce que je pense pas qu'il va rester. Je ne pense pas qu'il va rester, et le problème c'est que Jambon il s'affaiblit petit à petit avec des attaques qu'il prend, plus les PDR. Faudrait que je puisse spinner. Ah merde, d'accord. Encore, ça n'a servi absolument à que dalle, mais c'est pas grave. Là je fais un petit bluff. Il envoie Sigilif. Qui s'est pris le bluff burn. Ok. Juste envie de dire quoi. C'est quoi ce... Non, c'est pas un set comme ça quand même. Psycho Shift et ma burn. Ah, oui, d'accord. Donc là, Death Angel, une fois qu'il est burn, bah, il me sert plus à rien, à vrai dire. Donc, méga évolution, knock-off. Voilà. Donc lui, il a pu son orbe flamme. Et ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je sacrifie. Je le laisse mourir, peut-être. Ou alors, j'envoie Marie Curie pour essayer de faire un 6-6-0. J'envoie Marie Curie. Il en a à combien là, Sleep Talk? Toujours 8. Alors, il tite Sleep Talk, Sleep Talk Crest, ça m'avantage. Bon, il a plus son objet, ça c'est cool. Et moi j'ai 19 Sismictos, très bien. Il dort toujours, Sleep Talk, Scald. Il n'a plus que 6 Sleep Talk. Alors là, en fait, il va me faire chier jusqu'au bout, sauf quand il aura plus ses Sleep Talk. Sauf quand il n'aura plus si Sleep Talk. Je sais pas combien de temps ce match va durer, mais quoi qu'il en soit, je n'anticipe pas trop. Parce que je n'en ai pas besoin. Et voilà, les PDR m'auraient bien aidé pour ce match. Voilà. Il switch sur le Spinda. Bien. Bien. Fort bien. Il va peut-être faire bluff. Est-ce que j'envoie Spinner ou Jambon, parce que Jambon veut faire des U-turns et tout, enfin bref, j'ai envoyé Spinner,
Voilà, il fait bluff de nouveau. Le Spina il fait chier en fait. Là je vais faire un fake out. Ou alors j'aurais dû faire rapid spin peut-être. Spina qui se prend le fake out. Bien. Et là est-ce que je peux le finir? Yes. Là j'imagine qu'il va essayer de revenge kill avec son Sigilif. Tout simplement. Bon, pour l'instant on mène 6-4 comme le match précédent. Ça avait fait exactement la même chose, sauf que là, bah, j'ai Mac Punch moi. Mais j'ai Mac Punch moi. Qu'est-ce qu'il fait? Tour 45. Tour 45. Là j'ai pas compris ce qu'il fait. Ok, très bien. Il a fait ça comme ça. Pourquoi pas? Lui il a plus que 6 Sleep Talk. Et là il va se réveiller normalement. Je renvoie Marie Curie. Marie Curie il aura vraiment fait un gros taf. Sleep Talk Crest, il a plus que 5. Que 5. Oui, enfin. Ah, il avait fait un misclick. Dommage pour toi. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, alors. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait évolution, je crois. Effectivement. Alors, Skell, il en est à 20 sur 24. Par contre, il dit pas que j'ai vu son dernier move, en fait. C'est pas grave, on va rien dire. Enfin, bref. Les gros pots, il en a encore 9, là. Voilà, 9. Ça va faire chier aussi. Mais dans un sens, une fois qu'il n'a plus ses blabla d'auto, je suis tellement avantagé que... Bon... Bon, Arcanin n'a plus peur de son Milobelus. Trioxine qui se prend le Sismictos. Ben là, il est mort, hein, ton Trioxine. Là, je suis désolé, mais il est mort. À moins que je switch. Ce que je ne vais pas faire. Normalement, il est spé. Voilà, il me tue pas du tout. Donc, au revoir, Trioxine. L'euphorie. Il défonce. C'est un fou mon l'euphorie. À chaque match il fait des trucs de malade. Knockoff de nouveau, bien. Puis là en fait tout ce que j'ai à faire c'est protect parce que sinon je crois qu'il va me mettre trop cher en fait. Voilà. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Et puis là qu'est-ce que je fais? Earthquake ou U-turn? Earthquake ou U-turn? Façade me met super cher. Je vais retenter un protect. Raté. Ah, ce sera pas un 6-0, c'est pas grave. j'aurais dû switcher. Bon, tant pis. Bon, allez, bluff. Ah, il veut encore... Il essaye encore de switcher, super. Pas de 6-0. Dommage. Et puis là, tout simplement, Marie Curie qui va venir. Il fait rousse. Alors lui aussi, il peut faire chier hein, pour la fin du match. Sismictos. Cosmic Power. Are you kidding me? Non, s'il te plaît, fais pas ça. Oh non, oh non, oh là là, la merde que je suis dans la grosse merde. Shadow Ball, seul moyen de gagner. Stored Power, bah évidemment ça me kill. Là j'envoie YOLO, donc là c'est pas un 6-0 du coup. Et là normalement je suis plus rapide, et puis avec Éclair Fou, je devrais le tuer je pense. Ah non, c'est lui qui est plus rapide. Et je lui fais tellement rien. Oh la vache quoi. Ça veut dire que j'ai perdu du coup. Ah bah génial. Faudrait que je fasse un crit en fait. Si je fais pas un crit, j'ai perdu. Ah. Il y a des chances de remonter ou bien... Est-ce que là j'ai des chances ?
Vous y croyez ou pas? Le Death Angel qui sert à rien. En fait, là, il va me défoncer. Voilà. Tout simplement, là, j'ai perdu. Hein. Gros GG. Putain, Cosmic Power, quoi. Cosmic Power. Oh la vache. Ah non mais là ça sert plus à rien qu'il se booste, hein, il a gagné. Je peux plus rien faire. Il a plus besoin de se booster. Il a quoi comme attaque? Stored Power 16. Ok. Ok, très bien. Ah là j'ai plus que Spinner qui veut rien faire. Fake out. Je voulais conserver Marie Curie en fait. Mais bon, ça ne fut pas possible. Avec son Cosmic Power, il m'a vraiment complètement brain. Voilà, bah lui, maintenant il me défonce, hein, totalement. Je peux plus rien lui faire. Trop pété. Trop pété. Alors là, franchement. Puis là, bah, c'est Spictos ou c'était Softball, tiens. Ça me tue même pas. Ça ne me tue même pas. Fort bien. Fort bien. Ça m'enlève 30%. Je vais tenter un petit Seismectos. Ok, il me refile sa burn. Bien. Ça me met encore plus dans la merde. Puis là, je vais faire un soft boil. Il se rebooste. Bien, d'accord. Oh là là. En fait, je peux pas le tuer là parce que je peux pas faire de crit sur Seismectos. Voilà. Ça blesse bien, mais là je suis obligé de faire un soft boil. Bon, c'est le moyen de gagner encore, c'est de lui épuiser tous ses stored power. J'espère qu'il va pas me faire de crit. J'ai combien là en soft boil? J'en ai 11. Ça peut le faire. Enfin, j'y crois pas trop en fait. Enfin bref. Allez! Tiens le coup, l'euphorie, tiens le coup. 8 stored power. Il en a 8. Non. Je veux pas le crit. Je veux pas. Là je suis un peu mieux en vie. Mais sauf qu'en fait, il peut me revenge kill. Voilà, évidemment. Évidemment, il avait que ça à faire en fait. 7 sur 16. Hop, je le tape encore une fois. Ah, c'est juste le premier qui perd le PP stall. Pour l'instant, c'est lui qui perd. Sauf que s'il reste en fait, bah tout simplement, bah, il gagne le PP stall en fait. Et s'il me fait un crit, bah il gagne. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de solutions en fait. Ah, cette situation est légèrement serré. Je me chie dessus. J'aurais dû envoyer l'euphorie plus tôt, je pense. Voilà. Il refait Stamp Power. Le crit, ça m'a pas tué. Il était là. Il était là, le crit. Mais au revoir les cris, enfin bref. Faut vraiment que je me maintienne le plus haut possible en vie. Si je veux avoir une chance de passer autre chose. Il a plus de stored power. Parfait. Je suis bien mieux là. Par contre j'ai un soft point. Comment je vais faire? Je crois que là, j'ai tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirai rien. Il faut le savoir de toute façon. Il peut le savoir.
Je vais refaire un Seismic Toss. Sleep Talk Rest, très bien. Et puis là, je vais faire un dernier Soft Boil parce que, en fait, là, il m'a coincé. Voilà, il fait Rest. Le dernier Soft Boil. Et puis là, j'ai castomé des Seismic Toss. Et advienne ce qu'il pourra. Advienne ce qu'il pourra. Mais là, je crois qu'il a gagné en fait. Il a tout simplement win. Ce fut le match le plus long que j'ai jamais fait. Enfin bref. 2-0. Bon. C'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. S'il n'avait pas switché sur son mangriffe, en fait, s'il aurait juste attendu de me pépestol, ben comment dire, ça aurait été... Ah, je suis à court. Ok, bah c'est bon, là il a carrément win. C'était quoi ce match? 94 putain de tours. C'était quoi ce match? C'était quoi ce match de ouf? Ce match de ouf, c'est pas grave, j'écris ce match de ouf. Enfin bon, flamethrower, parce que j'ai que ça. Puis voilà. Et lui, il a plus ses blabla dodo là. Mais bon, là je meurs, donc voilà. Je sais pas, mais GG. Ouais, effectivement, là, il peut me dire GG d'avoir perdu comme une merde. Allez, la burn, là. Juste pour le lol. Non, même pas. GG. Le match était super cool. C'était fun. Je pensais win. Mais quand j'ai vu Cosmic Power, j'ai fait pipi. Voilà. Allez, merci de regarder. C'est le match le plus n'importe quoi de la planète. Il était marrant au moins, ça c'est le cas de le dire, je me suis bien marré. Même s'il était ultra long. Et ce que j'ai perdu, je me suis marré. Pas bon. Ouais, c'était le but de me faire faire pipi avec ce costume power. J'ai eu surtout peur de ton Absol et de mon euphorie. Absol fut useless. Voilà, tout simplement. Donc mangez de la soupe à la citrouille, supportez les âmes métamorphes. Partagez la vidéo, mettez un pouce vers un commentaire. Enfin, tout ce que vous voulez, voilà. Faites-vous plaisir. Tout ce qui importe, c'est de s'amuser. Voilà, c'est pas grave si j'ai perdu, ce fut au moins marrant. Allez, salut! Et qu'est-ce que tu fous? Et je sais même pas où mettre. Je te couche. Bon, allez, salut hein. Au revoir.